Alors, j'ai des clientes parfois qui sont stressées quand elles ont des annulations de rendez-vous dans leur agenda ou tout simplement des changements de planning alors qu'elles ont mis du temps à préparer tout ça. Bonjour, ici Manuel van der Straten. Alors aujourd'hui, dans la Minute de Mano, nous allons voir quelles sont les opportunités qu'il y a derrière des changements d'agenda. Alors d'abord, ça vous donne plus de temps pour vous, pour travailler sur vos projets, pour travailler sur vos dossiers. Peut-être que vous avez des choses qui sont en retard. Ou simplement, ça va vous donner une opportunité, une ouverture pour avoir un peu de temps libre. Alors, pour aller faire du sport, pour aller vous balader, pour appeler quelqu'un que vous n'avez plus appelé depuis longtemps, ou ouvrir un dossier sur lequel vous procrastinez depuis un certain temps aussi. Et puis, je peux vous donner un exemple aussi. Mon amie Catherine Piette, qui est coach en cuisine santé, elle, ce qu'elle fait, bien sûr, c'est son métier, bien entendu, elle l'enseigne, mais j'aime prendre cet exemple parce que j'ai commencé à le pratiquer et je le trouve absolument génial. Elle s'avance pour préparer tous ses repas pour la semaine. Et donc ça, c'est une opportunité géniale de pouvoir avoir un créneau en fait supplémentaire pour pouvoir gagner du temps et avoir ensuite du temps de qualité avec vos proches. Alors, moi, je vous propose de tester ça. La prochaine fois que vous avez des changements d'agenda, même si vous courez dans tous les sens, ne le prenez pas de manière personnelle parce que justement, c'est un cadeau que l'autre vous fait, même s'il ne le sait pas encore. Et puis, si vous êtes fort stressé, si vous avez l'impression que le burn-out risque de frapper à votre porte, téléchargez mon e-book gratuit, les 10 commandements pour combattre le burn-out. Il est en accès libre sur mon site www.manoel.be. Inscrivez votre prénom, votre adresse mail et il est là tout de suite dans votre inbox. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!